Bonjour, je suis Séverine Frémont, je suis directrice du centre social de Hierville et je suis présente ce matin à l'école Jules Guéville pour le deuxième petit déjeuner de la semaine dans les cadres de la journée du goût. Alors j'ai à côté de moi Evan Tavelet qui est un élève de l'école Jules Guéville et aujourd'hui j'ai testé pour vous, on a testé pour vous le petit déjeuner allemand avec de la charcuterie, du fromage, du pain céréales, du jus d'orange et du lait. Alors, Evan, il va nous dire un petit peu ce qu'il a mangé ce matin et ce qu'il a pensé du petit déjeuner allemand. Moi, j'ai mangé de la charcuterie, du pain aux céréales, du fromage, du jus d'orange et du... Du lait chaud. Est-ce que tu en as repris plusieurs fois ? Oui. Oui. Est-ce que ça t'a semblé bon ? Oui. Oui. Tu aimerais manger comme ça tous les jours ? Oui. Oui. Et tu, à la maison, tu manges aussi au petit déjeuner ? Oui. Mais tu ne manges pas de la charcuterie ? Non. Non. Donc, parce que le midi, on a un bon repas aussi à la cantine. Oui. Hein ? Voilà. Donc, on va vous laisser maintenant avec Nathalie, notre animatrice des journées du goût et du petit déjeuner allemand. Je m'appelle Nathalie Faircoq, je suis animatrice en centre de loisirs. Et donc, je suis là pour donner un coup de main pour la semaine du goût. Aujourd'hui, petit déjeuner allemand, donc ce matin avec deux classes, les petits de CP et les CE2 CM1. Alors, donc ils ont mangé petit déjeuner allemand, donc l'assiette complète, donc c'était trois variétés de saucissons, de charcuterie, du gouda, morceaux de fromage, et plusieurs pains différents, céréales, pain blanc. Et donc en boisson, il y avait jus d'orange, ou lait chaud chocolat, pour ceux qui voulaient. C'est étonnant parce que quand les enfants sont venus se servir, pour eux, c'était pas de la charcuterie le matin, ça les a pas plus étonnés que ça. Ils se sont vraiment tous servis de la charcuterie et du fromage, du pain, et ils ont tout mangé. C'est incroyable.